Peut-être. T'imagines la campagne de Loreach en légendaire? Oh non, laisse tomber, ça... je crois que c'est plus chiant en plus à Loreach. Je l'adore, je l'adore. Je surkiffe à Loreach. Ce serait beaucoup trop bien. Une fois qu'on a les notes, ça devrait aller vite. Alors ouais, comme je disais, j'ai joué genre même pas une heure, je crois, à Halo Anniversary 1. Donc la version remaster. Mais je l'avais bien kiffé. J'avais pas trouvé de gros changements non plus. C'est une version un peu plus belle, quoi. Mais bon, du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des graphismes moins dégueux. Parce que forcément, ça vieillit. Pillar of Autumn. Pillar of Autumn, mais... je revois des cinématiques, là. Ça me fait kiffer. Le Halo. Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. Oh, ces voix, par contre, ça fait bizarre. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. On ne savait pas où on allait. Comment sont-ils arrivés ici avant? Leurs vaisseaux ont toujours... Non, t'as passé la scène? T'appuies sur une touche. Ah. J'ai rien touché, non, je crois pas. T'appuies sur une touche. Dégoûté. La cinématique. T'as tout passé? T'as tout passé. Quoi? Pourquoi? Oh non, faut refaire toutes les touches. T'abuses. Tu fais chier. M'en fous, on va relancer. J'ai pas envie de, le passer. Ah, on peut jouer sur la Twitch en même temps, du coup j'ai pas fait gaffe. Aïe. Combat rapproché. On va faire c'est ça. Bon, j'ai paramétré pour un coup. Zoom. Là. Non, des touches que je vais jamais utiliser. Hop, voilà. Normalement, tu peux paramétrer après pour tous les jeux. Du coup, alors. Ah bon? Tu peux attribuer des paramètres pour tous les jeux, parce que je crois que pour certains jeux, ils vont te demander de refaire à chaque fois. Ok. On va voir. Changer de grenade. En deux, t'as l'arbiteur. Je pensais que t'allais être l'arbiteur. Par ici. Allumer et éteindre la torche. Ouais. Je crois pas qu'on aura beaucoup d'utilité. Pour moi, y a pas grand chose. Le nom de la touche pour la torche. Je l'ai mis sur. Et normalement, c'est. Ouais, c'est 4. C'est 4. Je vais mettre sur F. Et du coup, okay. Action E. J'ai rien sur A finalement. Ok. C'est là les paramètres. Ok. Vas-y, suis-moi. Oh, je me rappelle de ça. Beaucoup trop classe. Putain, le saut. Faire une autre arme. De mémoire, faut aller au capitaine. Ouais. Attends. Là-bas. Putain, c'est quelle touche que j'ai mis pour passer. Tu m'auras pas. De retrouver la touche pour se baisser. Mais on peut pas courir, ah, on peut ça me fait pas. Non, faut qu'on ait récupéré, faut suivre les soldats. Là, les le capitaine sur la façade tout de suite. Ok, bah on va aller voir le capitaine. Oh là, tellement classe. Ouais, j'ai entendu un Covenant parler là. Yep, ah ouais, pareil, si t'avances trop, tu vas me TP, ou si tu as trop avancé, tu TPeras l'autre, du coup. Hein. Déçu. Ok. Bon, ouais, c'est un peu plus joli. On va regarder un petit peu. Ah, excusez-moi, ça fait quoi si j'appuie là hein? ça fait quoi? Et là? Et ici, là, là? T'es le mec qui vient percher. C'est quoi ça? C'est un beau paddock que vous avez, hein. Appuie sur W près d'un ordinateur où il y a personne, tu peux te connecter dessus. Quoi?
Qu'est-ce que tu dis? Regarde, je suis connecté à une à un ordi. Quoi? Succès déverrouillé, arrivé, vous avez activé le terminal 1 dans le Pillar of Stone. Quoi? Ouais, je sais pas comment on enlève. Mais attends, il y a une petite cinématique, attention, pour un... il est interdit d'approcher de l'installation 04. Vas-y, appuie. Persévérer, je serai obligé de faire usage de contre-mesures peu agréables. What? Je demande à de modifier votre trajectoire et de confirmer la distance minimale d'une année-lumière. Ouais. Ceci constitue le premier et dernier avertissement. Le système de défense a été activé, il vous reste 30 secondes pour rejoindre la distance minimale de... Ah, attendez. Étrange. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a même pas de son. Mais pourquoi t'as pas la même cinématique que moi? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Bonjour humain, bienvenue à la station 04, ignorez ces avertissements et poursuivez votre route. What? Vous avez activé les systèmes défensifs pour mettre votre approche, mais demeurez votre vaisseau une fois parvenu au secteur d'atterrissage. Indiqué, ouais. Avec un truc qui était en danger en dépit de votre filiation. Ok. Je m'assurais de la présence de toi avant de donner l'autorisation. Tu entends nous dire, humain, j'ai été absent bien trop longtemps. Mais attends, mais j'ai vraiment jamais vu cette cinématique par contre. Hein. Vous avez été absent bien trop longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah, moi, ça m'a lancé la cinématique quand t'as recliqué dessus avec le commandant. Ouais, mais j'ai la cinématique. Capture, ils seront tous sur nous. Dispositif. Oh non, me dis pas que t'allais devant le commandant pendant que j'étais en train de faire ça. Mais non, j'étais à côté, parlé, ça m'a pas lancé le commandant. L'automne va continuer ses manœuvres jusqu'à ce que vous lanciez la séquence d'atterrissage. Quoi? Un conseil. Super chaud. Laissez mes sous-programmes superviser l'approche finale. Excellent travail, Cortana. Merci. Vous êtes prête? Ah, commandant Keys. Transférez-moi. Par contre, elle a une de ses gueules, Cortana. Allez, s'il faut pas bonne trop chance, regarder. Adjudant. Ok. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il n'est pas chargé. Ok. À vous de trouver des munitions en chemin. Ah, oh bah voilà, t'es au même niveau que moi, tu m'as rattrapé sur cinématique. Bah, en fait, on les a en même temps, je crois. Tu dois avancer? T'étais déjà parti? Rien faire ici. Non, je suis caché. Ah. Ah, c'est mince, ça devient assez chaud par rapport à tout à l'heure. Je sais pas, je sens rien. À contrôler les persos. Putain. C'est le 1, hein, c'est pas... ça marche pas pareil aussi. Y a pas la direction assistée. Oh merde. Vas-y, go, on va péter du coup. J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons. Quittons le vaisseau avant que les Covenants ne l'aient totalement envahi. Je fais tout péter. Ah, je l'ai fait. Ah. Oh. What? Have you seen my goose? Quoi? He's missing, bro. What? Y a une affiche de recherche pour une oie? Il y a une affiche de recherche pour une oie, viens voir. Fist of the Unicorn. Combattant des ponts 7 et 8. Décroché en position défensive secondaire. Ok. Crah, les campagnes. Any job too weak. Ouais. Eh, mais t'es en train de tout faire sans moi là. Salaud. Les marines ont besoin d'aide, chef. Pourquoi j'ai qu'une arme? Pourquoi j'ai qu'une arme? J'ai qu'un flingue. Attends, j'en ai boosté un. Ça m'arrive, tu peux cliquer ça. Guerrier hebdomadaire. Les élites, elles envoient bien. Ouais, je peux pas, non. Je peux pas. A fun, hein. Moi, je peux pas changer d'arme. Faut que je me tire dessus, hein. Je peux pas ramasser les armes. Oh! Oh, si! Oh. Ok, je peux. Ça s'affiche pas en fait. Je peux prendre toutes les armes que je veux, mais ça s'affiche pas. Des munitions. Ça s'affiche en haut à gauche. Du coup. C'est pas comme tout à l'heure où c'était en haut à droite.
Ah ouais? Ah oui, effectivement. Maintenant que tu le dis. Ah mais... T'es sérieux? Mais t'as buté. Mais non, c'est toi qui vas buter, enfoiré. Putain, tu fais chier. Ah mais t'as ramassé toutes mes munitions? Mais non. T'as pas fait ça. Mon flingue. Attends, tiens, je vais te passer... Tout toi, je vais te passer le... T'abuses, arrête. Le mec, on vient à peine de commencer, il me casse déjà les couilles. Il est où mon flingue? Il est où mon flingue, enculé? N'oubliez pas qu'on est deux là-dedans. Faut pas que tu restes devant moi. Hein. J'étais en train de le frapper au cac, le mec il me travaille. Regarde, tu fais des trucs de. Là j'ai manqué trop de buter là. Oh tiens, tu veux le petit flingue du coup? Tiens. Non, viens là, je vais prendre l'arme de merde là. Mais je sais pas où tu l'as mis en fait. Je vois pas. Là où je suis, là où je suis. Viens, il est sur le côté là. Okay. Ah, viens, okay. Il y a des capsules pour avoir du bouclier en plus. Ils utilisent les sacs de nos nacelles de survie là. Pour aborder. On ah ouais sort et ils entrent. Ils sont malins. Oh, bien. Ouf. Là, on a plus de. Je crois qu'on peut même en choper pour être invisible. Pourtant ça fait bien qu'ils aient rajouté des Marines de Halo 3. Ils sont jolis. L'équipage et personnel opérationnel des ponts 1 à 4, joignez immédiatement. Je crois qu'on désactive le tirage ici, non. Je sais pas si c'est possible en vrai. J'ai regardé, mais... Par contre, t'es pas obligé pour la grenade. Non, non, mais c'est tout que je Sinon, on peut faire ce que je faisais sur Halo 3, je te colle une grenade et tu cours dans les ennemis. Bah non en fait, genre non. Trop con là. Voilà. C'est quoi ça? Mais t'as fini oui? À chaque fois quand je veux tirer ou quoi, donc je te laisse faire. Oh, tu me mets. Mec, tu viens de me mettre un coup de crosse dans la gueule alors qu'il y a plein d'ennemis. Non, mais tu comprends, tu passes devant. Dis-le hein, que tu veux me buter. Il faudrait que ça pourrait être une vengeance par rapport à vous. Ou sur Titan. Dieu merci. Mais... Ça, je me suis fait coller. Je crois qu'il va pas bien. Il a les yeux ouverts. J'ai de le réanimer. Il réanime, attends, massage cardiaque, je m'assois dessus. 1, 2, 3, 4, 5, il respire. Non. Bon bah je crois qu'il est mort. Attends, je vais lui mettre une ou deux balles pour être sûr. Ouais. Tu sais c'est le défibrillateur, si tu le charges en entier et tu tires. Vas-y. Anime-toi, buddy. Non, ça marche pas. Par contre, y'a pas des trucs pour la vie parce que j'ai une barre de vie en vrai. Sur les côtés, tu vas avoir des trousses de soins.